Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais DM 100 célébrités et ils vont contrôler mon compte TikTok. Les TikTok qui me diront de faire, je les ferai. Donc c'est parti, je vais DM plein de gens. Squeezie, Noxtag, Lena Situation, BK, MrBeast. Oh, j'y crois pas du tout MrBeast, mais vas-y au calme. Et on se retrouve pour le résultat. La première personne à avoir répondu, c'est BKH. Je lui ai donc demandé quel TikTok je pourrais faire sur mon compte. Et il a répondu, fais le WAP Challenge sans musique, torse nu et tu touches les tétons en disant vive la communauté LGBT. Je m'attendais pas forcément à mieux de BKH. Du coup, je suis rentré dans son délire, je lui ai dit, mon ref, je suis mineur, trop bizarre le TikTok que tu veux que je fasse. Et il m'a dit, frère, fais l'homme. Donc les refs, on va trouver une solution, on va le faire. On va pas forcément faire exactement ce qu'il veut, mais on va faire un truc qui remplacera ce qu'il veut. Du coup, bah c'est parti. Ok, alors pour BKH... Vous vous doutez que je vais pas faire exactement ce qu'il m'a demandé, mais ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un montage. Je me suis dit, bon, je vais pas vraiment me mettre torse nu à me toucher les tétons, mais je sais plus ou moins faire du montage vidéo. Je vais prendre le corps de quelqu'un torse nu, je vais mettre ma tête dessus, je vais me faire danser, je vais mettre ma musique du WAP. Et d'ailleurs, dans son message, il parle d'homosexualité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin, peut-être, je pourrais mettre un numéro genre contre le harcèlement et tout, parce que les personnes homosexuelles subissent de harcèlement souvent. Donc, je pourrais peut-être mettre un numéro comme ça. Je sais pas, j'ai eu des idées comme ça, on verra bien ce que. On fait, mais bah c'est parti. C'est bon, le TikTok de BKH est prêt. Je vous le mets dans quelques secondes. Et avant ça, je te rappelle de t'abonner si c'est pas encore fait et mets un like à cette vidéo. J'ai demandé à BKH quel TikTok je pourrais faire sur mon compte. Et il a répondu de faire le WAP Challenge sans musique, torse nu. Bon, vous vous doutez que je vais pas faire exactement ça, mais j'ai trouvé une solution. Bon voilà, j'espère que BKH, tu kifferas ce TikTok et je vous tiendrai au courant s'il perce ou pas. Bah allez vous abonner à mon compte TikTok, comme ça vous verrez. Le deuxième YouTuber de cette vidéo, c'est Lucas Studio. Il m'a demandé de faire un TikTok dans lequel je présente le stade de foot de Savas avec toutes les infos que je peux trouver sur internet. Je vais relever le défi. On fait ça maintenant les gars. On va aller sur internet, on va se renseigner sur le club de foot de Savas pour faire le TikTok de Lucas Studio. Ok, donc on va marquer club de foot... Savas. Oh putain, on tombe direct sur Lucas Studio et Pierre Cross. Vous savez ce qu'on va faire? On va aller direct sur le site internet du club. Je pense qu'il y aura à peu près toutes les informations. Bon, ok, j'ai fait un petit tour sur le site. Et il y a un truc dommage, c'est que je trouve pas d'onglet genre à propos où il y a toutes les informations, etc. Là, en fait, c'est vraiment fait pour les gens qui jouent au club de Savas, ce qui est normal en vrai. Il y a les agendas avec les prochains tournois, les prochains matchs, etc. Ok, j'ai cliqué sur l'article avec Lucas Studio et Pierre Cross. Et déjà, je viens d'apprendre un truc. Le club est dans le village de Savas, mais il s'appelle RC Savasson. Voilà, première info. Ok, donc en gros, depuis la vidéo de Lucas Studio sur ce club, ils ont plein de demandes de sponsors, etc. Mais je trouve pas d'informations sur sa création, etc. Après, est-ce qu'il y a vraiment des informations intéressantes sur la création d'un club de foot? Je suis pas sûr. Après, au pire, je peux raconter l'aventure du club de Savas avec Lucas Studio. Parce que je pense pas que je trouve beaucoup d'autres informations, en fait. Ok, je peux dire que c'est à 6h30 de route en voiture de Paris à Savas. Si cette vidéo dépasse 1 million de vues, je vais à Savas. C'est acté, c'est signé. À vous de jouer pour le million de vues maintenant. Ok, attendez, là j'ai des infos là. Nombre d'équipe 1, couleur des maillots jaune et bleu, district Drôme Ardèche, numéro d'affiliation 538001. Je sais pas ce que c'est. Eh les gars, j'y connais rien au foot donc ça va être une galère. Bon bah c'est parti, je vais tourner le TikTok. Et voilà, le TikTok de Lucas Studio est à présent terminé aussi. Je vous le montre maintenant. J'ai demandé à Lucas Studio quel TikTok je pourrais faire sur mon compte. Et il a répondu une présentation du club de foot de Savas. Alors, j'ai accepté le défi. D'abord, Savas, c'est un village de 1487 habitants en 2019. Et ils ont un club de foot qui s'appelle le RC Savasson. Le numéro d'affiliation de ce club, c'est 538001. Bon, j'avoue, je sais pas trop ce que c'est, mais vas-y, je voulais le placer dans la présentation. Lucas Studio et plein d'autres youtubeurs ont fait une vidéo là-bas. Et depuis, gros succès pour le RC Savasson. Le club de Savas reçoit plein de demandes de sponsors, donc c'est parfait pour un club de foot. J'ai pas trouvé beaucoup d'autres infos, si ce n'est que leur maillot est bleu et jaune. Donc voilà Lucas, j'espère que le défi est relevé. Et la fin de la préparation du TikTok de Lucas Studio annonce aussi la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as kiffé, si c'est le cas, like cette vidéo et abonne-toi. Et nous on se retrouve très très bientôt pour plein d'autres prochaines vidéos. Salut, et partage aussi cette vidéo dans tes stories, Insta et tout s'il te plaît, pour que ça fasse plein de vues et que je sois riche et célèbre.